Recette de thé contre la grippe, sans naturel et efficace. Ce n'est jamais amusant d'attraper la grippe, vous souffrez à la fois de la fièvre, de maux de tête, de toux éreintante et de mal de gorge. De plus, les substances chimiques présentes dans les médicaments pharmaceutiques sont loin aussi d'être rassurants pour le traitement. Alors, que diriez-vous d'un bon remède à l'ancienne? L'un de mes moyens naturels pour se sentir mieux suite à un coup de grippe est de boire une grande tasse de thé au miel. C'est une recette perfectionnée au fil des années. Elle a bon goût et elle est très efficace pour apaiser la toux et les maux de gorge. Recette de thé anti-grippe. Cette recette de thé anti-grippe est un moyen efficace de dire à la fois adieu au rhume et à la grippe. Il stimule le système immunitaire et est en plus extrêmement délicieux. Un sachet de thé bio Echinacea de bonne qualité. 3 ou 4 fines tranches de racines de gingembre biologique fraîches. 3 cuillères à soupe de jus de citron biologique, fraîchement pressé. 2 cuillères à soupe de miel brut. 1/2 cuillères à café de cannelle biologique moulue. 1/4 cuillères à café de gousse de girofle biologique. Poivre de Cayenne. Quantité selon goût. La préparation se fait en 3 étapes et se fait en 10 minutes au total. Dans une grande tasse d'eau chaude filtrée, trempez le sachet de thé et les tranches de gingembre tranchées, vous pouvez omettre le sachet de thé si vous le souhaitez. Ajoutez le jus de citron, le miel et les épices et bien mélangez. Le thé sera un peu trouble. Si vous le souhaitez, vous pouvez filtrer le thé à travers l'étamine pour enlever les épices moulues et le gingembre. Mais d'habitude, on le boit tel quel. Le gingembre a bon goût avec le citron et le miel, mais il a aussi beaucoup de propriétés qui sont d'une grande aide lorsque vous avez un rhume ou la grippe. En outre, plus qu'un trio de saveurs délicieuses, les 3 ingrédients, à savoir le miel, le citron et les épices, ont un effet puissant sur le système immunitaire.